c'est encore le morceau la paix. Ce qui vient de passer, on va en faire. Ah, on ne peut pas bisser. La vie continue seulement. Ça manque de l'énergie. Il a même raté mon truc. Mon sifflet des fois où ça y est. Baisse carrément tout le volume, comme c'est les Nigériens là. Je suis au rock. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à la team, bonjour à mes détracteurs et ceux qui font le plaisir de me suivre, Francis Agro. Voilà, j'espère que vous allez bien, nous sommes toujours au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Voilà, nous sommes là maintenant, c'est Oja. Evuna, je vois. Ah, Evuna, Sansa, c'est comment? Sensei de notre tontine. Bonjour Renette, ma copine de 20 ans. Terriblement mariée. Voilà, je suis vraiment contente de vous dire encore ce matin, nous sommes heureuses, ma copine et moi, d'avoir réalisé Cœur de Lion, d'avoir fait la première sortie de Cœur de Lion. Donc, elle est toute triste parce qu'elle s'en va. Elle est en train de go. Veut te serre back. Son cœur fait un mal, hein, parce qu'elle est en train de partir. Elle a mal au cœur. Elle s'en va. Nous sommes là. On s'en va à l'aéroport. Tu dis merci pour Cœur de Lion encore. Tellement nous sommes heureuses. Oui, merci. Merci à tous les participants, à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci. Ça nous va droit au cœur et il y aura d'autres choses à venir. Ça se prépare tranquillement. Et pour adhérer à l'association, on vous dira comment faire. Voilà. Ce n'est pas la tontine. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent comment on adhère, etc. Monte un peu tes vite, père, s'il te plaît. Donc on va vous donner toutes les formalités pour pouvoir adhérer. Voilà. Béatrice Wangi, je suis à Yaoundé, tu ne me reçois pas. Comment vous êtes, les gens de Yaoundé vous êtes chiches comme ça? La chicheté de ça. La mafo est là. Même pas dit que mafo vient. Viens quand même, on tcha un petit, on coupe un verre, rien. Seulement on t'aime tout. Je ne fais plus les directs. Bon retour à ta copine Doudou, on te dit bon retour. Merci. Il faut seulement. Quoi? Jennifer Wise. On te souhaite bon retour tout le monde. Et vous êtes content de la voir, non? Elle revient au Cameroun, non? Je reviens bientôt. Vous donnez la nationalité, oui ou non? Non, ma soeur, mais ça dit non. Les seules filles qui ne parlent pas le patois, vraiment. Elle n'a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps que c'était vraiment coup du camel. C'est comment mon frère? Je dois rentrer à Douala aujourd'hui ou demain. J'ai tellement de choses à faire. Je suis vraiment désolée pour ceux que je n'arrive pas à rencontrer. Tellement, maintenant que c'est passé, notre sortie, là, maintenant, je peux être bien. Malo, Mafo, donne-moi le numéro de... Mafo, donne-moi son numéro. Je vais l'attendre à l'aéroport. Sa voix est captivante. C'est gentil. Ouais, quand je la vois rentrer sans bagage comme ça, vraiment, les watts. Je pleure, c'est manque, ouais, les bâtons de manioc. Je pleure, c'est manque 23 kilos dans la poubelle, maman. Ouais. Elle ne peut pas parce qu'elle a garé sa voiture loin et elle ne peut pas transporter les choses. Donc, ah ouais, le café, non. Voilà, j'attends qui? J'étais malade. Asia, maman, Asia. Asia, comme tu étais malade. Voilà. Ma reine, mais je t'invite. Tu m'invites où? Mais moi, je comprends pas l'incassant qui appelle en vidéo. Moi, je ne comprends pas ces Morocco là avec ces Algériens là. Et ils m'appellent sur WhatsApp vidéo. Ils ramassent mon numéro où? C'est comment l'incassant là? Ils appellent les gens pourquoi? Non, mais ces gens-là, je n'arrive pas à comprendre. Ils rentrent même quand d'abord? L'incassant rentre même d'abord quand? Ils rentrent quand là-bas au Maroc avec les. Quand les tapent même, ils rentrent, dis donc.
qu'on les gagne. Ils rentrent quand? Ils sont tous en train de m'appeler sur mon téléphone en vidéo, hein. On les chicote quand même 50 buts à zéro, ils rentrent. Oh, je suis gabonaise. Je voulais vous dire ce matin que le Gabon a fait un match. Nelly Njoko, coucou Flore. Meilleur vœu, merci. Merci Nel. Les Marocains et les Algériens, on les gagne quand pour qu'ils rentrent. Parce que vraiment, je suis fatiguée, ils appellent sur mon direct, pourquoi? Ils passent leur vie à m'appeler en vidéo. C'est quoi? Mais ce que tu appelles en vidéo, on dirait même qu'ils te connaissent. Dodo, on demande si tu as ramené le bois bandé pour ton gars. Ne vous inquiétez pas, le bois bandé vient de la Guadeloupe. Ça vient de chez nous, non? Ça vient de chez eux. Est-ce que je peux manquer ça? Donc, elle a l'habitude du bois bandé. Elle a l'habitude du bois bandé. Ça vient des Antilles, hein, de la Guadeloupe. Les gens me font. Elle a l'habitude du bois bandé. Ça vient de son pays. Oui. C'est ça qu'on trempe dans le har. Le hariki, c'est le rhum, non? C'est ça qu'on trempe dans le quata. Ouais, je t'ai dit, on trempe ça dans le quata, le bois bandé, on demande que les entiers, c'est pour ça que les entiers sont tout chauds. Vous savez que les entiers, les gars entiers, chauds jusqu'à. Je connais un gars entier qui avait cassé le lit de ma copine maman. Il a cassé le lit en plein 14h. Un entier, ma cour, je te salue, hein. Le jour que le gars entier a cassé ton lit, la maman. Ouais, c'était le bois bandé de ça. Les gars sont calmes, maman, mais. Ouais. Mais les filles entières sont aussi chaudes, hein. Elles sont bien chaudes. Ah bon, hein. Ah bon, elles sont bien chaudes. Les filles entières sont chaudes. Très chaudes. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu n'as pas honte de ramener sans. De quoi? De marcher sans sous-vêtements. Tu sais qu'il y a les gens qui ils sont où? Si tu n'as pas mangé les beignets haricots, c'est de ma faute. Regarde-moi quelqu'un que tu marches sans. Je dis, hein, marcher sans sous-vêtements. Je demande, hein, papa, si tu n'as pas déjeuné le matin, comme vous déjeunez au Cameroun avec les gros plats, le petit déjeuner le matin, le coquille, le haricot. Le concha, tout ça dans un même plat. Mais si tu n'as pas déjeuné, ce n'est pas mon problème. Tu as compris? Quac, 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 quac. Julien Bilois, tu m'as insulté avant, non? Attends, je bloque quelqu'un. Voilà. J'ai bloqué quelqu'un et je ne vais même pas perdre mon temps pour répondre aux saletés comme ça. À une saleté. Pourquoi tu te caches derrière un faux profil pour me parler? Hein? Et comme les abeilles ont tout dit, ma faux, pourquoi tu réponds toujours même aux faux commentaires? Donc les gens comme ça, on les bloque et on passe à autre chose, simplement. Ma faux, tu back? Non, je suis encore là. Donc ta copine, quel ministre camerounais la correspond, mémé? Vous croyez que personne, vous croyez que les ministres là donnent quoi aux femmes? Au lieu d'aller travailler, vous êtes là, vous cherchez que les. Vous croyez que le ministre donne quoi? D'amener boire et manger, c'est quelque chose. Tu ne peux pas boire toi-même. Ou bien payer les voyages, c'est quoi? Pourquoi on lui donne quoi? L'agneau sans comment on appelle la sans damba. Les filles qui sortent avec les ministres là, c'est la souffrance de ça. Les conditions de ça. Non, laissez-nous. On n'a pas besoin de ça. Allez chercher les numéros. Nous, on ne cherche pas. Nous sommes nous-mêmes les numéros. Moi, je suis un numéro, moi. Donc, laisse les histoires que donne un ministre, machin, tout ça, là. Que c'est quoi? Parce que vous entendez les titres, là. Pardon, laissez comme ça, hein. N'allez pas travailler. Vous rêvez. Maman, je suis moi bien dans mon petit coin. Je suis une fille libre. On ne me conditionne pas. Donc voilà quoi, je suis bien comme ça dans ma liberté, on ne me concessionne pas.
Ouh là là, il y a les jolies routes au Cameroun. Hein. Regardez les routes. C'est magnifique. Regardez les routes de l'aéroport. Franchement, la route. Monsieur le Président de la République. Voilà la route. Hein. Regardez la route. Merci au président de la République d'avoir construit ces routes. Regardez. Appréciez votre pays. Regardez. Regardez votre pays. Comment il y a la route. Regardez. C'est ce qui contrôle les pièces d'identité là. Maman, même la police ne dérange plus dans ce pays. Merci. Oh. Merci d'avoir formé ces gens-là. J'espère qu'après la CAN, les policiers de ce pays seront toujours gentil comme ça. Je sais que ce n'est pas seulement pour la CAN. Je sais que même après la CAN, tout le monde sera accueillant comme vous êtes maintenant. Oui. J'ai dit que je suis un numéro, moi. Je suis le numéro. Donc, laissez ça. Voilà, donc, je suis encore là. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas l'histoire de la dame là. Il y a un gros chantier là. On va raconter le chantier. Je suis le numéro 9. Pardon, les lions indomptables du Cameroun. J'espère que vous avez vu comment le Gabon a joué. J'espère que vous avez vu comment le petit Gabon qui compte 800 000 habitants. La révélation de l'année. Le pays là qui a bien joué là, on appelle que quoi paix. Le pays là, le Comboch. Les Comores. Les lions indomptables du Cameroun. J'espère que vous allez penser à nous, qu'on a payé nos billets d'avion pour venir ici là vous supporter. Qu'on a cassé mes ongles au stade parce que je voulais entrer. Jusqu'à je me suis découragée, je suis maintenant à la maison. J'espère que vous avez vu que la CANSI, il n'y a pas d'équipe qui est venue là jouer. Toutes les équipes sont là pour gagner. Vous avez vu le petit Gabon, non? Vous avez vu les Comores, non? Le Cap Vert. Le Cap Vert, j'espère que vous avez vu, hein, parce que les lions indomptables, votre bafle, que vous sautez partout au stade avec la déposer le bafle là. La Guinée équatoriale, un petit pays. Déposez le bafle que vous sautez avec là. On ne veut plus vous voir dans les vestiaires avec le bafle. Quand vous allez gagner, vous sortez votre bafle, vous tournez en boîte de nuit comme vous voulez. Pour le moment, déposez le bafle. Vous êtes la seule équipe à voir le bafle dans le bafle. Baisse tout ton volume, pardon, ça va couper. J'espère que la Sierra Leone a chicoté. J'espère que vous avez vu le Gabon qui a chicoté le Maroc. Et moi, je considère que le dernier match des Lions, je considère que vous avez perdu. Moi, Fleur de Lis, vous n'avez pas gagné. Nous, on aurait voulu que les Lions gagnent. Hein? Vous devez avoir honte. Avec Samuel était au stade. Vous ne pouvez même pas avoir pitié de ce monsieur qui est là dans une souffrance incroyable. De marquer les buts, vous partez faire match nul. Match nul pour nous, vous avez perdu. Et le Camerounais est triste pour ça. Hein? Nous ne sommes pas d'accord du fait que vous avez fait match nul. Pour nous, on considère que vous avez perdu. Et nous ne voulons pas la défaite. Dans notre territoire, on ne veut pas. Vous jetez le bas. En question. Non, 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 on part d'abord. Je t'accompagne, il va attendre. Tu attends, non? Les gars qui portent tes bagages là. Fais-moi la monnaie d'abord. Fais-moi d'abord la monnaie là. De 10 000. Combien si tu as. Il va porter le bagage, il va lui donner combien? 2 000, non? 1 000 francs. Tu as donné le traducteur, il a refusé. Ils ont le. Vous prends 10 000, tu ne dois à personne. Hein. Tu mets ça dans ta poche jusqu'à Paris. Même si quelqu'un te dit, tu vas faire quoi? Donc tu vas prendre mes 10 000 pour donner. Je dis non, tu gardes. Tu dois à la monnaie. Monnaie de combien? Non, j'ai la monnaie. D'accord. C'est bon, je vais lui donner 2 000. Elle n'a pas de bagage, elle n'a qu'un sac, maman. Elle fait que les watts là. Je vous laisse, ça arrive à l'aéroport, maman. Attendez, je descends d'abord. Tu as pris ton masque? Ouais, je coupe. Ah là là. Pardon, pardon. Moi, je veux seulement une personne qui touche mon sac, et pardon. Ça ne veut pas après qu'on commence à mettre de l'argent partout là. Je n'ai pas. Même je peux tirer le sac. Tu peux tirer le sac. Oui, laisse le sac, on n'a rien. Papa, laisse, nous on n'a rien. Un seul bagage, on n'a pas besoin qu'on porte. Attends. Un seul bagage, on n'a pas besoin.
prends mon passeport. Je vais aussi faire semblant que je vais. Est-ce qu'ils vont accepter mon masque? Papa, tu m'attends, hein? Doudou? Je mets mon masque, j'entre avec toi. Ok? Je dis qu'on voyage à deux.